Et bonjour internotatrice et internotateur, ici Gelden pour les Jeux du Cygne, avec son compagnon de presque toujours, le petit Ekatsuki. Bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons sur notre partie des Empires décadents. Sigvald est en train de repartir parce que il est un peu dégoûté, Sigvald. Il y a Archaon qui est venu lui piquer sa région au dernier moment. Donc il repart du coup vers l'ouest, il va aller faire les fesses à Arganet. Et pendant ce temps, nous avons notre ami Akatsuki qui va tenter de faire les fesses de Mazdamundi. On va le tenter ensemble. On va le tenter ensemble, nous allons Nous voir avons ce que ça va donner. récupéré Morati, nous avons recruté deux régiments de renom supplémentaires afin de combler le manque dans notre armée. Et nous avons les pouvoirs de l'Arche Noire qui vont nous permettre de bombarder L'Arche Noire est Mazamundi ici. grâce au. On va pouvoir l'attaquer avec la ville et on avait mis Morati en renfort. On va peut-être faire une sauvegarde quand même. Ça peut-être servir. Nous allons prendre part à la bataille car si nous la faisons en automatique, nous perdons. Et Et nous ne c'est voulons pas perdre. pas intéressant. Nous voulons lui casser la bouche. Alors, qu'est-ce qu'il a? Beaucoup de Alors, il a beaucoup de dinosaures. Garant du temple, il a. Ouh là oui, trois bastillons sauvages, Croxigore, machine solaire, des skinks Un qui vont rappeler. cristal de renaissance. Des skinks qui vont rappeler des choses sympathiques à Morati. C'est surtout que tu vas prendre super cher, il va falloir gérer la garnison avant l'arrivée des renforts. Ok. C'est ça. Et ben c'est parti. Bon, l'avantage c'est que Mais t'as pas mal de lances. Ouais, t'as quand même pas mal de lances, qui sera plutôt bien sur ces bastilles-là, donc. Non, sur ces gros là. C'est ça, mais par contre, elle est mid-life, quoi. Non, la garnison, elle sert à rien, mais. Non, il va falloir que tu les planques, que. Alors, par contre, on arrive sur le côté avec nos renforts. T'arrives comment? Je vois pas encore. On arriverait Ils sur sont. la droite, mais Ah bah vraiment c'est dans très le bien, c'est coin à très bien. droite. C'est très bien Et de. nous, on commence. Bien, c'est qu'on commence dans une forêt. Donc ça Ouais. déjà, on va aller Bon, planquer tout le lui monde il dans a. la forêt. Il a sa machine solaire qui fait de l'artillerie. Non, mais c'est très bien comme démarrage. Tu te planques effectivement dans la forêt au fond, et puis quand tes renforts sont là, là la bataille commence, quoi. Est-ce que les arbalétriers, on les mettrait pas sur la montagne Non. qui est à Tu droite? planques tout le monde. On met tout le monde dans Ça la sert à forêt. rien. Tes arbalétriers, il enverra. Il envoie un carnosaure, là. C'est les carnosaures, c'est ça? Je sais plus. Une de ces grosses bestioles, tes arbalétriers, vu leur état. Mais ils vont tenir, ce sont Non. des guerriers, Non, ce sont non. des elfes. Non, non. Oh, mais c'est Alors. dégueulasse. Qu'est-ce qui est dégueulasse? Est-ce que tu vois là tout derrière lui, là, t'as sa zone de déploiement, et Ouais. t'as un vieux pont dégueulasse là. Alors, un vieux Est-ce que pont. tu vois ce vieux pont en bambou? Dégueulasse en bambou, pas du tout. Okay. En fait, tu vois son Ah là, armée? d'accord, oui, ok. Oui, et bah zoom à mort sur le bambou. Regarde cette texture bien dégueulasse. T'as que ça à foutre. C'est Bon, effectivement assez d'accord, crade. ok. Mais Ok. je reconnais que c'est. Tu reconnais que c'est bien dégueulasse quand Oui, non, même. mais effectivement, mais. Bon, c'est peut-être pas le but du jeu d'avoir des ponts en bambou bien faits. Bon, ouais. Moi, je serais toi, je fous même tout le monde. Voilà. Non, même pas. Sur. Ici. Attends. Peinture le rond. Là, là. Voilà. Dans le coin, le plus proche possible de tes renforts. Qui arrive dans Et 1 on est minute tous 39, ça devrait cachés. aller. Voilà, tout le monde est caché. Logiquement, en plus, du coup, il va venir te chercher. Et puis, quand tu auras tes renforts, bah tu me donneras qui tu voudras, si tu veux me donner Ouais, quelqu'un. est-ce que je sais pas encore qui je te Sinon. donne? Parce que bon, là, ça sert à rien de toute façon. Oui. Hop, on va commencer la bataille. Ouais. Tiens, il dit qu'on perd. Ah, mais il bouge même pas.
Ouais, c'est pas D'accord. surprenant. C'est pas surprenant, il est en défense. Donc il attend que tu viennes. L'avantage, c'est que tu vas venir avec toutes tes troupes, quoi. C'est ça. J'ai mis en vitesse 4, hein. Bah Je oui. quand même pas attendre 2 minutes en vitesse 1, tu sais. Tel le sac à merde que je suis. Ah mais je pourrais balancer des sorts de Ah bah l'archenage. oui, ça profite. Je viens d'y penser. Profite. Alors, ça fait quoi ça? Lanière de Kane. Un éclair magique, petite zone de frappe douée contre l'artillerie, efficace contre de multiples guerriers. Bah écoute. C'est Ouais, des petits guerriers Soros. c'est... Non, attends, il a des gardiens du temple, je crois. Merde. Ouais, il a des gardiens du temple tout à gauche. Enfin, pardon, tout à l'est. Ah oui. Attends. Ça c'est fait. Ça c'est quoi? Contre une seule unité. Alors si je balance ça, est-ce que ça arrête l'autre sort ou pas? Bon, C'est ça la question. c'est pas dramatique, hein. Tu l'as trois. Chacun, tu l'as trois fois dans la partie, c'est ça? De Ouais. mémoire. Les boucliers, ils se rechargent, hein, on est d'accord. Les boucliers, ils se rechargent. L'a pas compris. La barre bleue, la barre de vie bleue, elle se recharge si on les tape pas. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, Ah donc oui, ça non, sert à rien de tirer Mazamundi, sur c'est ça. Non, non, Mazamundi. non. D'accord. Oui, c'est bon, ça arrête le premier. Hop. Alors, hop. Ouais, sauf Ah, que du il coup, il les bouge, bouge. évidemment. Ah oui, l'efficacité, c'est pas vraiment ce que j'aurais appelé ça. C'est pas ouf. Attends, on va recommencer. Les renforts sont arrivés. C'est un Ah oui, énorme non, mais en échec. plus, ça met 8 ans à arriver, quoi. Ouais, bon, il faut peut-être attendre qu'ils soient un peu plus englués. Ouais, peut-être. Ça y est, il commence à bouger. Ouais, j'ai vu. Est-ce que toute l'armée est arrivée? Ouais, Presque. je pense. Voilà. Alors, tu veux quoi? Bon, ce que tu veux, c'est tes gens à toi. C'est ta stratégie. Toi, je sais que t'aimes bien les ombres et la cavalerie légère. Pas forcément tout le temps, ça dépend. Je suis. C'est qui que tu veux? Je suis pas contre à rien. Je ferai de la merde avec n'importe qui. T'inquiète pas. Alors par contre, les balistes, on va peut-être les mettre... Oh, là où elles sont, je vais te dire. Tu les mets à pouvoir tirer le plus rapidement possible. Bah c'est ça. En tir multiple, hein, évidemment. Ah, pas forcément parce qu'il y a du gros, hein. Une en tir multiple et une en tir solo, alors. Ça peut. Bah. Ça dépend qui tu cibles, mais. Tu feras gaffe qu'il a des skins caméléons qui sont quand même des vraies saloperies. Sont planqués quelque part surtout. Bah oui. Est-ce que tu veux les sœurs du massacre et les démonettes pour aider tes ombres? Elles iront pas du tout au même endroit, donc à la limite, file-moi peut-être plutôt les harpies qui vont être tout aussi mobiles dans ce cas-là. Et puis gère plutôt l'infanterie dans ce cas-là. Tu peux me filer le héros. Qui sera aussi rapide. Oui, l'assassin. Ouais. Ah, c'est un assassin. Alors, est-ce qu'on se mettrait pas? Non, ça va être nul de se mettre dans la pente, hein, on est d'accord. Bah, vaut mieux pas trop. Mais bon, il faut aussi se mettre en. Comment? Je vais te Sais pas, dire. Je vais te moi. dire, s'il bouge pas. S'il bouge pas, moi, je serai toi. Je me calerai. Ici. Ah mais non, là il avance sur nous. Hein. C'est pas sûr. Non, il se réangle. À mon avis, il se réangle.
Mais à mon avis. S'il se réangle, on se met sur la montagne. S'il avance sur nous, on se met comme on peut, quoi. Bah, si tu vois qu'il avance. Ouais, on verra. À la limite, on fait demi-tour dans ce cas-là, mais. Ah, tu veux déjà envoyer tout le monde là-bas, toi? Bah oui. Moi, à mon avis, c'est le plus malin à faire. Je te dis, il est en défense. Normalement, tant que tu lui fais pas trop de dégâts, il va pas te tirer dessus. Son artillerie, elle est quand même relativement éloignée. Et elle a pas une très grande portée. Donc le temps que tu te places, moi, à mon avis, t'es peinard. Hein. Et là, t'as une jolie petite butte. T'es protégé sur un flanc. À mon avis, il y a eu moyen de faire des trucs sympas. Et moi, si ça fonctionne comme ça, je viendrai par là. Je ferai de l'attaque dans le dos. Ça, En étant à l'heure. On est oh, je d'accord. vais essayer. Je vois pas de quoi tu parles. Bah les balistes, ouais, donc les balistes, il faut les bouger aussi. Ah bah oui, du coup, il faut les bouger. Hop. On va essayer de les monter sur la... Ah, par contre, du coup, vu le trajet, ce sera long, mais Oui, oui. fais-le en x4 et en marche pas forcée. Oui. Pour C'est ce que j'allais faire. éviter de te fatiguer. Ne t'inquiète pas. Hop. Pour moi, c'est bon, tu peux relancer quand tu Hop. Ouais, attends, je disais à tout le monde de ne pas courir. veux. Tu fais CTRL Q pour sélectionner tout le monde. Et ensuite R. Alors, est-ce qu'ils avancent? Non, tu Bah, vois, ils ont pas l'air, hein. il se réangle. Hein. Non, je. Ah. Ouais, non, Attends. les harpies. Non, c'est les harpies que. Si, non. T'es sûr qu'il veut pas nous attaquer là? Je sais pas. Peut-être que si. Vas-y en courant, peut-être. Et dans ce cas-là, mets en pause. Dans ce cas-là, essaie de te placer là. Ou Ils là. se sont mis à courir. Ou là. Enfin, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que je lui ai pas demandé, j'aurais pas demandé de courir, ils se sont tous mis à courir. Mais bon, c'est pas grave. Si ouais, en mode un peu. Bon, c'est pas idéal. Ici, c'est pas idéal. Le mieux dans ce cas-là, c'est ici. Où ça? Bah, là où j'ai mis mon travers. Ouais, mais on n'arrivera pas là-bas, hein. Bon, en courant, si, le problème, c'est plus les balistes. Attends, moi, dans ce cas-là, je vais me planquer là. Les balistes, elles peuvent se dissimuler dans les bois ou pas? Eh ben, ce que tu fais, tu arrêtes tes balistes, Dans les bois. tu les arrêtes là où elles sont. Non, il y en a une qui est pas dans les bois. Oui, bah tu la mets dedans, elle est où l'autre? Ah oui, elle est là. Elle est Bah tu loin la des bois. recules, tu la recules. Tu la recules, tu les mets là. De toute façon, quand il les perd de vue, en général, il a tendance un peu à les oublier. Moi, je vais pouvoir planquer les miens aussi là-dedans. Je vais les mettre au même endroit. Les harpies, je vais les balancer par là, histoire qu'ils. Voilà. Bah, c'est bon pour moi. À mon avis, ça passe. Alors. T'as une. Ah non, ouais. Je les aurais pas mis là, mais ta deuxième baliste, je l'aurais pas mise là. Attention à Moratti. Ouais. Je l'aurais pas mise là. Bon après. Aïe 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 aïe. Ouais, fais gaffe parce que pour se planquer, c'est pas. Contre les skinks, c'est chaud hein, parce qu'ils ont une très bonne perception. Ouais, les guerriers du chaos, ça va être Tandax. Tu devrais pas les mettre en ligne droite. Attends, attends, attends. Justement, c'est pour ça que j'ai mis pause, pour qu'on Ouais. regarde un peu ce qui se passe.
Et reculer par En là. même temps. Je sais même pas où ils sont, je ne reconnais même pas leur symbole. Les Ils sont gars où? du chaos, ils sont au milieu de la forêt. Ils sont là. Je te les Milieu de entoure la en forêt. vert. D'accord. Ok. Bah, à la base, c'est parce qu'ils se déplaçaient, mais. Oui, bah ils étaient en ligne droite, quoi. Mais là, comme ils sont plus lents, en fait, c'est vrai que c'est peut-être un peu chocho. Et ils risquent de se faire attraper. En plus, avec ces skins caméléons. C'est quoi là qui arrive sur eux? C'est des guerriers sur eux qui arrivent sur eux. Alors attends. Moi, Tac, je tac. serais toi, je les mettrais derrière les guerriers du chaos. Qu'ils soient obligés de vraiment de reculer pour aller les chercher. Et dans ce cas-là, moi, je vais aller les titiller avec. S'il y a du monde qui vient les chercher. Purée, etc. Il faut aller. Hop, plus loin. Plus loin. Allez plus loin, les filles. Ce que je vais faire, c'est que les arbalétriers, on va les mettre sur la montagne. Hein. Bah oui. Tant qu'à faire. Bonus de dégâts quand on est en hauteur. Voilà. Et eux, ils sont où? Ah oui, eux, ils sont loin. Donc vous allez aller là plutôt. Au niveau des harpies. À mon avis, tes sombres traits d'élite, à mon avis, ils ont le temps de monter. Hein. Tu penses? Ouais, tu les mets plutôt un peu derrière. Bah, de Mais toute façon, je suis en train de faire une ligne devant, hein. Ça ouais, voilà, forcerait. là où tu les as envoyés, à mon avis, c'est ça passe. Hein. Y a que les, je te dis, il n'y a que les guerriers du chaos, à mon avis, ça va être un peu tendax. Voilà, là où tu les as mis, les guerriers du chaos, ça me semble pas mal. Et je te dis, C'est bon. au pire, s'il envoie du monde sur les guerriers du chaos. Moi, je les défonce avec mes troupes à moi. C'est bon? C'est bon, c'est bon. On va essayer de faire une ligne hein, cohérente. Bah, Moratti, tu n'as pas fait ton sort. Ah si, tu l'as fait, Si, elle d'accord. en avait fait Désolé. un. J'ai vu un sort. Ok. Guerriers du chaos qui se font tirer dessus par les skinks. Gardien du temple qui va charger tes affreux lances sur le flanc. Oh putain la Ou vache. alors il vient chercher les guerriers du chaos avec. Hein. Ok. Ouf. Ça fait mal. Ouf. Nom Attends. d'un chihuahua, c'est quoi qu'il vient de faire là? Bordel. T'as tes guerriers du Je chaos, sais. tu peux les rebalancer contre les gardiens du temple, je pense. Terrible. Ok, moi j'ai balancé un sort de l'arche noire dans la mêlée. Voilà. Pourquoi Moratti elle a chargé toute seule? D'accord, elle a décidé de charger. Très bien. C'est quoi, c'est des lanciers ça? Shades. D'accord. Bon, ces caméléons ont pris cher, mais mes harpies aussi. Je vais envoyer l'assassin sur Mazdamundi. C'est quand même un peu son job. Qu'est-ce qui fuit? Bon. Wow, putain, tu. Ah non, c'est bon. Où est-ce qu'elle est, cette deuxième armée de skink?
Mazamundi, je l'ai mis contre les démonettes et contre les furies et les démonettes. Hein. Ok. Qu'est-ce qui tire sur Moratti? Un truc qui tire sur Moratti, je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, à droite, ça va. Bon, ça, ça fait beaucoup de mal. Moratti. Forward. We are ready. Ok. Toi, qu'est-ce que vous faites là, les Moratti sur le mauvais menu? Non. Elle est pas sur Mazamundi, Moratti? Non, non, c'est. Je parle de l'assassin. Ah, d'accord. Mais putain, il prend cher. Hein. Bordel. Ouah, ça sert à rien. Putain, c'est totalement inutile. Tu sais que t'as encore les ombres et tout qui sont. Ouais, en fait. Je vais balancer. Hop. C'est quoi c'est... Ah merde, il y a la baliste qui s'est fait charger. J'ai pas fait gaffe à ça. Dark Rider Crossbow. Onward. C'est qui lui? Ah, mais c'est un. D'accord. C'est un héros. Druki, forward! Heroes King, très bien. Il est où le Heroes King? Parce que Mazdamundi. Il est contre. J'ai un peu du mal. Hein. J'ai mis Moratti contre lui. L'assassin, il se fait un peu découper quand même, hein, bordel. T'inquiète pas, on arrive sur Mazdamundi avec des renforts. Bah attends, je vais venir sur le King, c'est plus de ma taille. Non. Ok, feu. Ouah, les guerriers du chaos, ils se sont fait découper. Là, des gardes du temple, hein. Ok, une nouvelle unité en fuite totale. Mazamundi, prends-toi ton petit carreau, là. Allez, allez, allez. Le Bastiladon sauvage est en furie. Advance, Druki. Durathan. Alors par contre, je suis pas sûr que Moratti a survécu au Bastiladon sauvage, donc elle va s'en aller. Hein. Elle est pas toute seule. Ouais non, peut-être pas dans les gardes du temple non plus. C'est tes balistes, elles font quelque chose là ou pas du tout? Bah, j'aurais demandé de tirer, mais elles ont des lignes blanches parce qu'elles sont dans la forêt. Ah merde. Donc tant qu'elles sortent de la forêt, quoi. Bastiladon sauvage. Encore un. Ah merde, le skin qui s'est... Il l'a récupéré. Il m'ennuie, Mazamundi. Après, tu vas me dire, c'est un héros légendaire. Hein. Oui. Ça aura toujours des dégâts. Attends, Xamachin là. Il refuit. En ah, termes de moral. Est en fuite. Ouais, le moral est tombé. Bon, la victoire au moral, moi je dis extermination totale. Hein. C'est surtout les gros. Je pense qu'il faut. Dark Rider Crossbows. We understand. Voilà. Bon, Mazamundi, on n'arrivera pas à le tuer. Et je vais. Ah, tu tires sur les gardes du temple. Non, c'était pas la cible que je leur avais attribuée, mais alors, si en fait c'est qu'il a défoncé la cible que je lui ai attribuée. Alors. Bon bah écoute.
Faisons des dégâts à Mazamundi en attendant. Les seigneurs, c'est pas forcément une bonne idée de les tuer. En fait, oui, parce je que sais. tu les laisser très low life, c'est bien aussi. Bon, les guerriers du temple, c'est son HS. Ah, mais j'ai mon héros sur sang-froid qui n'a rien fait. Ah, c'est ballot. Je l'avais oublié. Et on a perdu personne. Hein. Ou presque personne. Voilà. Il reste encore des gens. Oui, oui. Un Bastiladon sauvage, on va peut-être attendre qu'il meure. Voilà, c'est fait. Voilà. Attends, là-haut, là-bas, là-bas, j'ai quelques souris. Bon, c'est des guerriers saurus à bouclier, bon. Et je bah pense voilà. Qu'on peut... Ah. Il a pris très... Alors, s'il n'est pas mort, il a pris très cher. Non, non, il n'est pas mort. Putain, 172 victimes, il fait... Moratti a perdu la moitié de son armée. Ouais. Ceux qui ont perdu le moins, c'est la garnison. Planqué. Non, mais en fait, c'est surtout les arbalétriers qui n'ont perdu personne parce qu'ils n'ont fait que tirer, ils n'ont jamais été chargés puisqu'ils étaient sur la montagne. Par contre, ils ont fait pas mal de boulot. Hein. Pour des arbalétriers tier 1. Oh bah attends, c'est super bon. Les sombres traits, ça fait partie des meilleures unités T1. Bon, par contre, ce qui est con, c'est que je peux pas concrétiser l'attaque. Je peux pas aller le tuer. Oh, son armée va peut-être disbander. Hein. Oh, peut-être pas, sachant que lui est encore vivant. Ouais, c'est pas sûr. Et après, il sera peut-être que tout seul. Hein. Donc, je pourrais toujours aller le chercher. Au prochain tour. De toute façon, là, je vais concrétiser. Hein. Je vais assiéger ces villes. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Là, il faut y aller. Hein. Mm. Bon, Exoalt, on va arrêter d'abandonner la colonie. Quand même. Alors, oui, ce serait un peu con de l'abandonner maintenant. Bah oui. En fait, on avait dit qu'on l'abandonnait quand on voyait que Mazamundi revenait, mais comme on a réussi à le contraire. Bon, ensuite, on n'a pas fini avec Exoalt, là, mais... Non, mais... On va dire que là, je suis sûr qu'il est prêt à faire oui à la paix, quoi. Oh, sûr. Moi, je... Non, ouais, il reste 3 unités, quoi. Ah, les renforts sont pas régénérés. Donc on va prendre l'argent. Ah oui. Il fuit vers mes provinces à moi. Ça, c'est plutôt sympa. Parce que du coup, peut-être même que s'il fait une marche forcée, tu pourras le rattraper au tour suivant. Alors. Bien. Alors, moi, on a gagné des niveaux. Peu. Étonnant. Étonnant. Moi, je m'emmerdais un peu. Il est où, Sixig, Sigounet? Hop. Toi, tu vas te balader. Sigounet va ici balader déjà. Eh ben, j'ai rien à foutre. Et je pense que je vais avoir un certain nombre de tours où je vais avoir rien à foutre. Ça tombe bien, moi, je peux tuer les gens. À part faire de la construction. Fin de tour. Donc, on ne détruit plus Exoalt et on peut reconstruire des choses dans Exoalt. Faire et défaire, c'est toujours travaillé. C'est ça. Bon, on ne dira pas qu'on a eu 6000 balles grâce à ça. Qu'est-ce qu'on va construire avec Exoalt? Ça déjà. Alors, je peux monter la citadelle sombre. Donc je vais le faire. La grande capitale de Moratti. Mm-hmm. Je peux avoir des arbalétriers. Attends, je peux avoir des chevaliers arbalétriers sur quoi? Sur Pégase Noir? Ça, c'est vraiment kikou. Je sais pas si c'est efficace, mais... D'accord. Ça, c'est la classe. C'est ce que je dis, c'est kikou. C'est ça. Moi, je dis oui.
Alors, est-ce que c'est efficace? Bon, après, c'est un régiment de renom, donc techniquement, oui. Ah, ils ont quand même 63 de puissance des tirs. Hein. C'est pas rien. Alors, je peux construire quelque chose sur ma... Un meilleur taux de reconstitution des victimes. Mais je dis oui. Ah, ils ont pris très cher, les guerriers du chaos, par contre. Oui. Bon, bah, on peut passer au tour suivant. Bah, moi, je t'attends. Alors. Ah oui, il peut pas aller très loin, par contre, Mazamundi. Il est obligé de rester dans mon territoire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir le tuer, petit à petit. Et il fait, ça, il file quoi comme buff pour le fait de l'avoir vaincu? Rien. Ah, il s'est mis en marche forcée, par contre. Il s'est barré. Ah, je l'ai pas, j'ai pas eu de buff en le battant, parce que je crois que je l'ai pas tué. C'est pas une connerie comme ça? Si, 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 là, tu l'as... Le simple fait de le vaincre, t'as le buff. Je vais aller voir ça. Bon, après, il peut pas recruter tant qu'il est en... En marche forcée. Donc, je vais le suivre. Hein. On va aller vers la ville où il va, hein. Tant qu'à faire. Alors. Ah, il y a les Skaven qui arrivent aussi. Mmh. Ils sentent la chair fraîche. Manger. Ah bah écoute. Faction détruite, Légion du Chaos. Bah oui. Nouvelle peste parmi nous. La pointe du roc gris. Ils font chier les Skaven. On est copains. On est copains et ils me balancent des pestes. Bande de chiens. Mais pour eux c'est une certaine façon d'envoyer des fleurs. Il y en a, ils envoient des fleurs et d'autres, ils envoient des pestes. C'est comme ça. C'est ça. Oh. Chacun son truc. Embuscade découverte. Ah, je suis Mulder, à 2 mètres de Mazamundi. Je suis médusé. Je suis tristesse. Oh, et moi je suis tristesse parce qu'une carie est sur le point de crever. Hein. Alors sinon, c'est mon non, autre. Pas une carie. C'est mon autre alternative, c'est d'aller défoncer de l'elfe. Non, mais c'est pas intéressant de défoncer de l'elfe. De toute façon, je dois, pour mes objectifs, il faut que je défonce de l'elfe noir. Alors. C'est un truc unique qui a qu'un seul machin de tuer un seigneur. Enfin. Oui, oui, tu le chopes qu'une seule fois. Donc ce serait leader. Coût de recrutement, moins 5%. Wouhou. Non, non, non. C'est pas ça. Bah, c'est le seul truc que j'ai. Ah, mais non. Parce que celui qui a vaincu, c'est la garnison. C'est la garnison. Ok. J'allais dire, Morati ne peut pas se déplacer. Non, c'était normal. J'avais un event. Oh là là, mais quelle loose. Je vais me mettre en mode invocation. Oh, c'est pas mal. Pour être chez lui et pouvoir me réorganiser. Ah oui, c'est nettement mieux. Alors, ta ville de Brun, là. Ah oui, en plus, elle a pas de garnison, sa ville. Donc, il va aller se planquer dans une ville où il n'y a pas de garnison. Tu fais pas de terre. J'aime ça. C'est un truc qui me fait très plaisir. Ça a quoi comme garnison? Pas grand chose. L'arche noire, elle peut attaquer, hein, on est d'accord. On est d'accord. Donc, si je recrute des corsaires des arches noires pour attaquer. La petite cité de la ziggourate de l'aube, là. Moi, ça me paraît une très bonne idée. Ok. Je n'ai plus d'argent. Je ne peux plus rien faire. Ce sont des choses qui arrivent. Surtout quand on est un peu trop dispendieux. Non, mais c'est pas grave, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la reconquête. La reconquista. Bien, alors, moi j'avance, je récupère des petits trésors qui servent pas à grand chose.
Non, je ne veux pas faire ça. Par contre, je veux bien construire. Mais les trésors, ça sert toujours à quelque chose. Ouais, enfin là, tu vois, j'ai chopé. Non, là, tu vois, ce que je viens de choper, vraiment, ça me sert. Que dalle, sachant que je ne vais pas combattre dans l'immédiat. J'ai chopé un buff qui me donne plus 25% de chance de trouver des objets magiques et plus 50% de champ de vision de la campagne. D'accord. Autant dire que j'en ai vraiment rien à carrer. Fini. Ok. Bon. Alors, mon petit Mazamundi, on se sent comment? Enkari, bah oui, Enkari, tu te sens dans le mal? Non, je veux Dis-nous tout, pas mon tout petit de suite. Mazamundi. Oh, quoique. Je suis en guerre contre qui? Non, je suis pas en guerre contre les elfes encore, donc ouais, je pense que Enkari. Sachant que tant qu'il fuit. Et il est parti où? Oui, t'as pas réussi à le rattraper du tout, du coup. C'est Non, con. non, il était à 1 mètre de moi. Ah, putain. Alors, il est en dehors de son territoire. Donc, tout va bien. Je pourrais attaquer le pic de Macu. Voilà. Ce que je vais faire. C'est le Macu Picu. C'est ça, c'est le Macu Picu. Certainement une référence. Alors ceux qui ne l'ont pas, revoyez votre géographie quand même. Ouais. Bah, la culture, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Ah, je l'avais jamais entendu celle-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un PNA? Donne-moi 900 sous! Ouf! Ah non, mais allez, d'accord, le clan Gritus vient de se faire niquer aux portes écroulées. Ah, le clan Gritus est mort! Il ne lui reste plus qu'une armée. Donc Ah! il va aller assiéger le ziggourat de l'aube. D'accord. Ça y est, les rois des tombes ont enfin fini de. Ouais. Enfin, d'après ce que je vois, oui, parce que le clan Gritus est en train de prendre de l'attrition. Et je crois qu'ils n'ont plus de colonies. Donc je crois qu'ils vont essayer d'aller prendre le ziggourat de l'aube. C'est ballot. Alors, nous Alors. pouvons désormais Oui, il n'a plus récupérer. de colonies, le clan Gritus. Très bien. Droit de Alors, régime. normalement, il le prend, hein. En théorie. Alors. Bon, bah. Le pic de Macu est à moi, hein. J'ai envie de dire. Victoire décisive. On va peut-être la faire en auto, hein. Allez. Allez, 214 pertes quand même. Ouais, enfin tu la régène, donc c'est pas très très grave. Oui. Hop Qu'est-ce qui là! vaut mieux, plus Merci. d'âme? Ah oui, parce que. Non, ça va, je suis. Merci pour l'argent. Allez, déplace-toi plus vite. Des murs. Construisons des murs. C'est bon, les Alors, murs. je sais pas pourquoi Mazamundi est parti s'enfermer là-bas. Il est Mais il est parti. parti là-bas. Ah, je vais voir quand même, ça m'intéresse. Regardons ce qu'il se passe chez le petit Akatsuquette. Bah, Ah oui, il est il est. parti. Il part au D'accord. sanctuaire de Sotek qui ne lui appartient pas, donc il peut pas se régénérer. Ou alors il veut faire le tour par le sud et remonter Bah, vers sans le ziggourat doute. de l'aube. Sans doute. Non, vers la porte des pierres. Ah ouais, peut-être. Mais Oui. tu sais que je vais les prendre, mon gars. Il y a un moment. Voilà, hein. Ah oui, ils sont effectivement allés vite, les rois des tombes. C'est peut-être toi qui vont. Ah non, d'accord. Ils vont aller. Gritus va aller choper la ziggourat de l'aube. C'est intéressant comme C'est disposition. ça. Je pense. Tu devrais avancer ta. Comment ton arche Parchemin. noire pour que. Enfin, quoi que t'es de toute façon trop loin. Pour aller faire quoi? Non, Ah, je peux aller chercher le. Je peux aller chercher le trésor. Ouais, Je vais enfin, le faire. fais gaffe parce que t'as pas d'armée, hein. S'il y a un Oui, mais c'est combat, de l'argent, les trésors. alors tu peux choisir l'option mineure qui ne fait pas de combat, c'est vrai. Donc voilà. Allons chercher l'argent. Hop. Ah mince. Nous serons plus efficaces, c'est tout. Mais nous avons gagné 1500 balles. Bah après, il a 4 régiments de. Voilà. Je suis en train de Non, recruter c'est bon, des. c'est bon.
des corsaires de l'Arche Noire. L'autorité moins 4, je m'en fous, je suis dans le positif. C'est plus de 1000 pour reconstruire ça. Très bien. Ah, on peut construire des choses ici également. Hop, très bien. Plus d'argent. Donc là, je vais changer. Il n'a rien fait. Oui, mais toi, tu ne vas rien donc, faire. Donc, amélioration du bâtiment, je m'en cogne. Si, attends, tu peux te mettre en mode invocation et avancer vers, vers la forêt d'Arnheim. Voilà. Tiens, quand je me mets en mode invocation, j'ai une meilleure reconstitution que quand je suis dans mon territoire. Intéressant. Ah, un greffe. Je peux faire du commerce avec un greffe. J'aime faire du commerce avec mes vassaux. Hmm. Tu penses qu'ils vont m'attaquer, les rois des tombes? Oh, à mon avis, tôt ou tard, c'est possible. Alors, par contre, si je veux, tôt ou tard, moi, défoncer la gueule d'Arganet, c'est bon, j'ai pas fait de PNA avec eux. Très bien. Alors. Fin de tour. Hop. Et j'ai 10 000 PO tour. Eh ben, t'as bien de la chance. T'as besoin de sous? Parce que moi, j'ai pas de dépenses prévues tout de suite. Donc. Dans l'immédiat, non. Mais. Ça va. En fait, j'ai assez d'argent là pour subvenir à mes besoins. Vois-tu? Donc je pense pas que ce soit utile que tu m'en envoies. Parce que je gagne quand même 7800 par tour. Et ah j'ai, oui. Et j'ai 10 000 de... Ouais non mais de toute façon l'économie des... Ils ont complètement fumé quand ils ont... Mais l'économie, bah je sais pas si t'as vu sur... Ouais t'as dû voir sur le Discord des Jeux du Cygne, comment il s'appelle Meatball AK, je sais plus comment... Non enfin machin, AK Meatball. Qui a posté plusieurs captures d'écran de ses parties. Il a des revenus hallucinants. Et puis j'ai vu d'autres captures d'écran du même ordre. Ils ont complètement fumé quand... Tiens, il y a Véland qui te parle, je crois. Oui, il m'attaque. Il me déclare la guerre. Ah. Est-ce que tu viens ou pas? Écoute... Non. Je viendrai peut-être plus tard. Je viendrai peut-être plus tard, mais de toute façon, je suis loin. Et j'ai besoin de faire Arganet avant. Et de toute façon, je suis tellement loin que... Alors, est-ce que le clan Gritus va faire quelque chose ou pas? C'est eux qui m'intéressent. Bah, logiquement, ils vont prendre la ziggourate. Hein. Ils vont tenter de la prendre, en théorie. Il a même pas mis le siège. Oh, c'est affligeant cette IA parfois. Non, il est devant là. Ah, il y a quelqu'un qui te parle. C'est ça? Ouais, je n'y suis pas encore. Ah, c'est peut-être parce que tu n'y es pas encore. J'ai toujours un peu de retard. Hein. Je viens de passer le clan Giritus là. Rite de Sotek accompli par Exoalt. Mais nous sommes contents. Ça te fait une belle jambe. Ouais, c'est juste que j'étais très en retard. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que... J'ai un orbi qui est loin d'être pourri. Et pourtant... C'est toujours très lent. Mon cher Akatsuki... il va vraiment vers le sanctuaire de Sotek. Hein. Donc bah moi j'ai remonté vers le port des pierres, je pense. Hein. Je sais pas, il est en guerre Ah oui, il est en guerre. Mais il a plus rien comme troupe. Les orbis. Il va se faire tuer. Et là, tu peux pas l'attraper? Le truc, c'est que non, si tu l'attrapes, il va fuir. En fait, j'atteins son cercle, mais à un pixel que je peux pas l'attaquer. Toujours la même chose. Ah, quoique. Parfois. Ouais, échec. Ouais, voilà, tu vois. Je m'arrête à un pixel, c'est pas grave. Et si on s'arrêtait tout court sur cet épisode, mon cher ami? On peut. Parce que... Bon, à la limite, moi, je vais rien avoir de particulier. Non, ce qu'on fait, on avance.
Moi, de toute façon, c'est tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai d'intérêt à faire. Et on fera le passage de tour en off. Et puis on commencera le prochain épisode sur le prochain tour. Oui, bah de toute façon, moi, voilà, moi je récupère des villes en ruine. C'est bien. Parce que c'est important. Est-ce que tu as besoin de sous? Parce que moi, là, vraiment. Bah écoute, si t'en as, ouais, vas-y, envoie. J'envoie la sauce. Ouais. Habituellement, j'ai plutôt l'habitude. Enfin, habituellement, j'ai plutôt l'habitude, super. Généralement, c'est moi qui demande des sous. Éternel, si tu m'entends. Tiens, tu as C'est une ça. proposition. Non, bon. Ah oui, négociation en cours, le Lost décadent. Quand je joue avec mon cousin, c'est souvent lui qui me sert de banquier. Ça me Bah change. écoute, moi ça me va très bien. Hop, donc ce Comme bâtiment-là, ça, je vraiment, peux j'en ai vu rien à construire foutre. le port. Quick. Je peux Peux faire améliorer mes quoi ports. avec... Ah, mais c'est Victor de Slaanesh, il va mourir. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à construire? Il est vraiment complètement en train de mourir. Tac. Attends, je vais finir de regarder. Clangritus, il a plus personne. D'accord. Il y a chez mes Hop, trois petite arche vassaux. noire, niveau 2. Hop, je vais faire ça. J'ai vraiment des sous à perdre. Et voilà. Oui, bah on peut s'arrêter là. Amis internautatrices et internautateurs, nous espérons que cette petite vidéo vous aura plu et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Amusez-vous bien Oui. et à bientôt! Des bisous.